Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, les hommages à George Floyd. Un an après son meurtre, ses proches ont été reçus à la Maison Blanche. Comme des milliers de personnes, il continue de militer contre les violences policières. Un triste anniversaire aussi, celui du massacre de Tulsa en Oklahoma. Un sombre épisode passé sous silence, ou presque. Et puis l'Argentine se reconfine, 9 jours de restrictions imposées par le président. Un an après sa disparition, la mémoire de George Floyd, honorée par des milliers de personnes à Minneapolis, aux États-Unis. Son nom a d'ailleurs résonné jusque la Maison Blanche, où ses proches ont été reçus par le président américain. Joe Biden a d'ailleurs loué le courage dont cette famille a fait preuve. Cette rencontre reste un geste fort, mais sur le plan législatif, pas d'avancée majeure. Julien Cheida. Un an après, leur colère ne faiblit pas. S'ils veulent d'abord rendre hommage à George Floyd, ces Américains, anonymes et militants confondus, réclament un changement profond des mentalités à l'égard des minorités. Il n'était qu'un homme parmi d'autres, mais il y a tant d'affaires qui attendent d'être traitées. Pas seulement dans cet État ou dans ce pays, mais partout dans le monde. Un an plus tard, nous implorons encore que les lois changent. C'est la réalité de ce qui se passe ici. Il y a toujours des morts au Minnesota. Il y aurait en moyenne 250 personnes noires tuées par des policiers chaque année aux États-Unis. En avril dernier, un père de famille est décédé par balle suite à une interpellation pour trafic de drogue, sauf qu'il n'était pas armé. 10 jours plus tôt, c'était un jeune de 20 ans tué lors d'un contrôle routier. La policière, auteure du tir fatal, avait dit avoir confondu son taser avec son arme à feu. La mère du jeune homme réclame aujourd'hui des réformes législatives en profondeur. J'ai le cœur brisé à cause de toutes ces vies volées. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas d'autre Dante? La réforme de la police doit être mise en œuvre par tous les moyens. Pour l'avocat de la famille Floyd, de nouvelles lois seraient les bienvenues. Mais selon lui, le salut passe avant tout par un changement des pratiques policières. Je pense que les policiers auront de plus en plus de comptes à rendre. Arrêteront-ils de tuer des personnes noires? Probablement pas. Mais au moins, il y en aura certainement plus qui iront en prison quand ils nous tuent. Une réforme de la police est actuellement à l'étude au Congrès. Mais son passage devant le Sénat, où démocrates et républicains sont au coude à coude, rend incertain l'issue du vote. Longtemps passé sous silence, le massacre de Tulsa s'ajoute à la longue liste d'attaques racistes subies par la communauté afro-américaine. En 1921, des émeutes ethniques éclatent dans cette ville de l'Oklahoma. Plusieurs centaines de personnes sont tuées. Viola Fletcher a vécu ce sombre épisode de l'histoire. Elle livre aujourd'hui ses souvenirs. Viola Fletcher a 107 ans, mais elle se rappelle parfaitement de ce qu'elle a vécu il y a un siècle. Elle fait partie des 3 derniers survivants connus du massacre de Tulsa, qui ont témoigné devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants le 19 mai dernier. Une déposition pour se rappeler de la pire tuerie raciste depuis la fin de l'esclavage, 56 ans plus tôt. Je n'oublierai jamais la violence de la foule hargneuse de blancs lorsque nous avons quitté la maison. Je vois encore des hommes noirs se faire tirer dessus et les corps noirs gisant au sol dans la rue. Je sens encore la fumée et je vois le feu. Je vois encore les commerces noirs être incendiés. J'entends encore les avions nous survoler. J'entends les cris. Je revis le massacre tous les jours. Deux autres survivants du massacre ont témoigné au Congrès, dont le petit frère de Viola, qui n'était qu'un nourrisson à l'époque, mais assure que ce qui s'est passé dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1921 à Tulsa a fait de lui un réfugié dans son propre pays. Cette nuit-là, une meute d'hommes blancs investit le quartier de Greenwood, dans cette ville d'Oklahoma, un quartier habité par des Noirs et dont la prospérité lui vaut le surnom de Black Wall Street. L'arrestation d'un noir pour l'agression d'une blanche a mis le feu aux poudres. Les émeutiers incendient les commerces et environ 1200 habitations et tuent près de 300 personnes. 8000 autres se retrouvent sans abri. Je demande que mon pays reconnaisse ce qui m'est arrivé. Les traumatismes et la douleur, les pertes. Et je demande que les survivants et les descendants aient la possibilité de demander justice. L'événement est passé relativement sous silence pendant des décennies avant d'être de nouveau raconté il y a quelques années. Joe Biden sera sur place à Tulsa pour les commémorations du centenaire.
La tournée d'Anthony Blinken au Proche-Orient, si le secrétaire d'État est allé consolider la trêve conclue entre l'État hébreu et le Hamas, il incarne également un nouveau positionnement américain après l'ère Trump. Les États-Unis maintiennent le lien traditionnel avec Israël, mais cette nouvelle administration rappelle aussi la nécessité d'une solution à deux États. L'actualité sur le continent sud-américain maintenant. On commence par ce reconfinement en Argentine. 9 jours de restrictions ont été imposés à la population. Les détails avec Inés Olagaray. L'Argentine, à nouveau confinée jusqu'au 31 mai. Pour la population qui a déjà vécu un confinement record de 8 mois d'affilée l'an dernier, ces nouvelles restrictions sont difficiles à accepter. Si le gouvernement avait fait venir plus de vaccins au bon moment, nous ne serions sûrement pas en train de vivre une telle situation. Dans les services de réanimation, le nombre de patients atteints du Covid-19 est en hausse depuis bientôt 3 semaines et la campagne de vaccination tarde à se mettre en place. Jusqu'à présent, à peine 5% des Argentins ont reçu les 2 injections nécessaires. Les objectifs du gouvernement ont notamment été freinés par plusieurs retards de livraison du vaccin. Après l'Inde, l'Argentine est le pays où le plus de nouveaux cas ont été enregistrés cette semaine. Le massacre s'est produit dans une zone reculée du centre du Pérou. Au moins 16 personnes ont été abattues dans la région du Vraem, connue pour abriter des cultures de coca, mais aussi des combattants de la guérilla du Sentier Lumineux, à qui le gouvernement a attribué l'attaque. Ce drame se retrouve au cœur de la présidentielle péruvienne, car depuis le début de la campagne, la candidate populiste de droite, Keiko Fujimori, accuse son rival de la gauche radicale, Pedro Castillo, d'être lié à l'aile politique du Sentier Lumineux, ce que son concurrent dément. Il s'agit d'une tragédie nationale et aucun groupe politique, d'aucun camp ne devrait essayer d'en tirer avantage pour servir ses ambitions politiques. Le conflit entre l'armée et les guérilleros du Sentier Lumineux a duré 20 ans entre 1980 et 2000. Quelques centaines de combattants sont encore actifs dans les zones les plus isolées du pays, où les autorités les accusent de se livrer au trafic de drogue. Il est le premier président de droite depuis 14 ans en Équateur. Guillermo Lasso a été investi cette semaine et il promet l'ouverture de son pays au libre-échange. Nous nous insérerons pleinement dans le monde pour rechercher un commerce libre et équitable. Plus d'Équateur dans le monde et plus de monde en Équateur. Le nouveau président équatorien espère ainsi relancer une économie en crise. L'Équateur a été très affecté par la pandémie et par la chute des prix du pétrole, l'une des principales ressources du pays. L'an dernier, le PIB a chuté de 7,8%. Comme dans de nombreux pays où l'épidémie est désormais maîtrisée, les Américains renouent avec la vie d'avant. Ils vont au cinéma, ils font les boutiques, ils vont même dîner au restaurant. Des plaisirs assurés seulement si le personnel est au rendez-vous. Parce que même si la croissance repart, beaucoup d'entreprises manquent de bras. Alors pour attirer les effectifs, de grandes enseignes augmentent leur salaire. C'est un symbole de l'Amérique, le diner, ambiance années 50. Un repère du petit déjeuner ouvert tous les jours, mais plus celui-ci dans le Wisconsin. Alors que les clients reviennent en masse, le restaurant doit fermer tous les mercredis pour octroyer au moins un jour de congé à ses employés, faute d'avoir assez de main-d'œuvre. On manque clairement de personnel. J'espère qu'on pourra bientôt rouvrir tous les jours de la semaine. Si on arrive à recruter. Le panneau lumineux « On recrute » visible de la route n'y change rien. L'Amérique manque de bras. Avec la pandémie, beaucoup d'entreprises ont licencié. Le gouvernement américain a renfloué les ménages avec un gigantesque plan d'indemnité. Il faut désormais faire revenir les travailleurs et les patrons doivent mettre les moyens. Toute personne qui signe chez nous touche d'entrée un bonus de 200 euros. Si un salarié fait venir un nouvel employé, il touchera 160 euros de prime et le nouvel employé un deuxième bonus de 200 euros s'il reste au moins 30 jours. Il y a 75 000 postes à pourvoir chez Amazon, 20 000 chez la chaîne mexicaine Chipotle, 10 000 chez McDonald's. Pour attirer, ces grands groupes ont consolidé un mouvement lancé dès avant la pandémie, proposer un salaire horaire à 12 euros, le double du minimum légal, ce qui ne devrait pas affecter leur rentabilité, selon cet économiste.
Il y a d'énormes profits au sommet. Amazon particulièrement a été le grand gagnant de cette pandémie avec les ventes en ligne. Et tous ces gains n'ont pas été complètement partagés avec ses employés. Même avec des augmentations de salaire, ils ont encore beaucoup de marge. Ces hausses de salaire font plaisir à Joe Biden. Le président a lui-même relevé à 12 euros de l'heure le salaire minimum pour tous les sous-traitants du gouvernement fédéral. Mais il n'a pas tous les pouvoirs et il faudra attendre des années avant que ça se généralise à l'échelle de l'Amérique. Un peu de légèreté maintenant. On vous emmène à Denver, dans le Colorado, où Bandou a célébré cette semaine ses 12 ans. Pour l'occasion, le talentueux jeune rhinocéros propose une composition bien personnelle au piano, du bout des lèvres même, vous le voyez sur ces images. Voilà pour cette jolie performance. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci de votre fidélité à nos chaînes. Restez sur France 24, l'information continue.